Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'analyse du marché des cryptos par CoinHouse. J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on va voir trois actifs assez connus dans l'écosystème crypto, Bitcoin, Ethereum et XRP. Mais on va surtout parler de l'atmosphère qui est actuellement sur le marché en général. Et pas seulement que sur les cryptos. Je voulais, avant de vous montrer là ce qui s'est passé sur une semaine sur l'ensemble du marché, vous parler évidemment ce dont vous avez sûrement entendu parler, de la folie autour de ce qu'on appelle maintenant Wall Street Bets. Donc c'est parti d'un forum en fait sur Reddit de boursicoteurs particuliers, on va dire, hein, sans que ce soit un terme forcément péjoratif, qui ont regardé certaines valeurs et qui parlaient entre eux et puis qui se sont à un moment donné mis sur une valeur en particulier, une action, et qui était une entreprise de jeux vidéo qui s'appelait GameStop Corporation. Et ils se disaient, voilà, il y a beaucoup de hedge funds Wall Street qui se positionnent en vendeurs à découvert, qui parient à la baisse sur cette action. Et nous, on trouve que c'est exagéré. Et allez-y, achetez un maximum d'actions GameStop. Et puis, on va faire monter le cours de l'action et on va forcer ces vendeurs à découvert à racheter leur position. On va faire exploser le prix à la hausse. Et donc, sur le marché action, quand vous avez des quantités limitées d'entreprises, visiblement, ils ont réussi à faire un effet de foule hein, sur leur forum. Et ils ont fait passer, il y avait peu de liquidités, ils ont fait passer le cours de l'action. Ça s'est passé il y a plusieurs jours. Hein, maintenant, l'action était autour des 20 dollars et ils ont finalement fait monter l'action d'abord au-dessus de 100 dollars, puis on a même atteint à un moment donné plus de 400 dollars et ça a fait des remous avec notamment des hedge funds qui ont justement été obligés de fermer leur position de vendeur à découvert avec perte et fracas, si j'ose dire. Et puis finalement, derrière, ce groupe-là s'est intéressé aussi à certaines valeurs de la crypto. Et notamment Dogecoin qui a vu la semaine dernière, en milieu de semaine dernière, son prix exploser soudainement. Mais comme d'ailleurs sur l'action GameStop, c'est finalement retombé après. Donc ça s'apparente plus à des mouvements de pump and dump, donc des mouvements qui ne sont pas durables dans le temps. Donc c'est pas une atmosphère, je dirais, la plus saine sur le marché. On va voir XRP en fin de vidéo qui lui aussi semble avoir été la cible entre guillemets de ce forum là de boursicoteurs. On a vu ce week-end la valeur d'XRP soudainement exploser et c'est déjà pas mal retombé. Donc sur Bitcoin, on a aussi eu un autre événement à noter la semaine dernière, c'est Elon Musk, fondateur de Tesla, entre autres, qui a mis hashtag Bitcoin dans sa biographie sur Twitter. Et vendredi dernier, on a eu soudainement le cours du Bitcoin qui est passé de 33 000 à 38 000 dollars. Et là aussi, pareil, derrière, ça n'a pas duré longtemps. Et finalement, pour le cours du Bitcoin, il est globalement resté dans une figure de consolidation. On voit 7% sur la semaine, mais on va voir dans l'analyse technique qu'on reste dans une figure de consolidation. La capitalisation du marché reste au-dessus des 1 000 milliards, donc ça reste positif. Dans le lot, on a finalement Ethereum, qui est resté, lui, un petit peu plus à l'écart de ces bruits de marché, qui est dans un pattern plutôt positif avec une consolidation sous sa résistance historique. Et puis donc vous verrez, hein, donc XRP, on en reparlera, 42% sur la semaine, Cardano qui se réveille aussi, et on a toujours la bonne santé, la bonne performance de coin de la DeFi comme Uniswap qui est 13e, Aave avec plus 14% également. Et un peu plus bas dans le marché, pareil, hein, mes performances comme ici Sushi sont portées par la DeFi. Donc pour Bitcoin, je vais faire rapide. Il est toujours dans la consolidation. À la base, on avait ici un triangle de compression. Je vous ai laissé l'oblique descendante. On est en train d'essayer d'en sortir par le haut aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir sur Bitcoin, la zone résistance pour vraiment repartir en haut, c'est dire que cette consolidation est terminée, c'est bien ici, hein, je vous l'ai mis en rouge, les 38 000 dollars. Pour ceux qui sont très prudents, on attendra de finir une journée au-dessus de cette résistance pour re-rentrer sur le marché. On voit que les bandes de Bollinger ici en blanc, en journalier, se mettent à plat. On voit, hein, finalement, depuis le mois de décembre, que ça reste une figure de consolidation, donc on reste positif. On a sinon notre zone qui a marché, hein, par deux fois, de rachat à moyen long terme entre 26 900 et 29 800 dollars. Mais sinon, voilà, hein, sur Bitcoin, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut sinon après rentrer sur des mouvements intra-horaires. Et on voit que le RSI est en train ici d'essayer de se retourner. Donc ça reste positif sur Bitcoin. On va surveiller la fin de cette journée pour voir si on repart tranquillement à la hausse. Je vais passer maintenant aux altcoins.
Alors l'analyse d'Ethereum à présent, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, le 2 février dans l'après-midi, eh bien Ethereum est juste au niveau de son plus haut historique qui date de janvier 2018, donc à 1430$. Donc le graphe est en journalier hein, toujours, et on voit que ça fait depuis le 19 janvier, on est en train de tester ce niveau, pour l'instant ça a échoué, mais on voit qu'on essaye de plus en plus sur Ethereum, donc on a essayé le 19, le 25, et le 29 janvier, et là on est en train d'essayer de retourner sur cette zone. Donc rappelez-vous ce que je vous disais en début de vidéo, ceci dit, l'atmosphère, le contexte de marché n'est pas des plus sains. Ceci dit, Ethereum a l'air un petit peu à l'écart de ce bruit de marché qui a touché certaines actions, et puis un petit peu Bitcoin, XRP, Dogecoin. C'est quand même plus propre sur Ethereum. Alors on est quand même sur un schéma là, graphique qui peut être piégeur. Si on regarde l'aspect positif, ça ressemble quand même à une consolidation sous résistance historique sur Ethereum. Donc à chaque fois on rejette les 1430$, mais regardez par rapport au 20 janvier, tac, on rejette jusqu'au 1030$. Puis le 25 janvier on rejette, mais cette fois on ne rejette que sur les 1200$. Donc à chaque fois on rejette de moins en moins fort et le cours revient. Donc on est en train de mettre une pression sur cette résistance, et à force, ce qui se passe quand on consolide durablement sous résistance, eh bien c'est la résistance finit par céder. Donc en tant qu'investisseur moyen long terme, ceci dit, pour l'instant on n'a pas encore assez de confirmation. Ce qu'on veut, c'est clairement une bougie journalière ici qui se termine, une journée donc qui se termine au-dessus des 1430$, et même idéalement par rapport à la mèche du 25 janvier, une bougie qui clôture au-dessus des 1460-1470$. Là ici, ce sera, si vous voulez, un signal d'achat, comme on dit, un signal d'achat sur break haussier. Donc c'est pas ce que je préfère moi comme figure, mais force sera de constater, si c'est le cas sur Ethereum, que ça y est, on casse la résistance. Et on va sortir de ce canal là que je vous avais tracé en orange ici aussi, bah, par le haut. Et on va avoir une accélération haussière, ce qui est quand même plutôt haussier, hein, clairement comme figure. Et on ira, je pense très certainement, dans la zone ici, entre 1700 et 1900$. Ici, vous prenez des profits partiels, hein, j'insiste, seulement partiels, histoire d'assurer le trade que vous aurez pris ici. Hein, ou même si vous avez déjà des ETH, mais que vous voulez encore plus les renforcer en reprenant ici. Donc voilà, et puis à ce moment-là, on voit si le marché continue encore plus à la hausse ou s'il retemporise. Maintenant, étant donné l'état actuel du marché, on pourrait échouer une nouvelle fois et repartir à la baisse. Donc là, deux cas de figure. Pour les plus agressifs, on achète le bas du canal, donc qui correspondrait là à cette zone intermédiaire de retracement Fibonacci. Donc là, ça correspondrait sûrement autour des 1200-1230$. Et pour les plus prudents, si le marché se met à davantage corriger, on attendra de revenir vers vraiment la zone d'intérêt à l'achat ici, entre 850 et 950$. D'ailleurs, je pense que cette zone peut même remonter un petit peu autour des 1000$ prix psychologique pour racheter de l'Ethereum. Donc voilà ce qu'il faut retenir, les niveaux clés sur ETH. Et je vais finir donc avec Ripple, donc avec XRP. Regardez ce chart bien différent, toujours en journalier. Donc ce qui s'est passé, je disais, on a sûrement eu une forte hausse verticale alimentée par l'euphorie, un petit peu la mode Wall Street Bets là, des derniers jours. Mais comme souvent sur XRP, bah, ça ressemble déjà au pump and dump qu'on avait eu en novembre. Et puis par le passé, hein, en 2018, il avait fait des figures similaires. Donc c'est pour ça qu'on déconseille quand même cette crypto-monnaie. Puisque souvent on voit des mouvements haussiers qui partent de manière verticale, les gens ont envie après d'acheter, puis on se retrouve à acheter à un sommet de marché, c'est une mauvaise affaire, ça retombe aussi vite que c'est monté. Donc ceci dit, on peut remarquer, ça c'est sûr, de la volatilité sur XRP. Moi je remarque une zone polarisante, 30 centimes, 35 centimes, par le passé ça avait déjà fait support, en 2020 ça avait fait résistance, là ça peut refaire support, peut-être. Ceux qui veulent vraiment être agressifs, avoir du XRP, qui croient en Scoin, vous pouvez racheter ici, ce sera en tout cas plus intelligent que d'acheter là-haut, et voir si jamais on repart. Mais sachez que dans cette zone ici, à partir des 60-65 centimes, il y a toujours des vendeurs, donc il faut au moins prendre une grosse part de profit partiel pour assurer la position, et peut-être voir derrière si ça remonte. Donc voilà, le RSI lui effectivement pourrait retourner dans la zone de surachat. C'est tout pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à commenter également si vous voulez voir des coins analysés, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.